La guerre. Jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père, qui servait dans l'armée, se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils, qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte. Mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au 21e siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois ? Évidemment. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. À mon tour, mon grand.
Mon cœur. Tu peux aller voir si le petit déjeuner est prêt? On va laisser Cotsworth s'occuper de ça. Encore un produit de General International. Abraxo pour le nettoyage. Vraiment faire développer ses photos de vacances. Je me demande à quoi Sean ressemblera plus tard. Et un jour, il va apprendre à conduire. J'ai hâte de lui apprendre à en faire. Le gant est encore un peu grand, mais Sean finira par pouvoir le mettre. Ce sera un génie de l'orthographe ou un génie de la démolition. Bombe sucrée, 100% de l'apport quotidien en sucre. On dirait que le lait a été livré. Hé, Cotsworth. J'espère que le café est à votre goût, madame. Gnocacola. Frais. Steak Salisbury en sel. Note à plus. On était un peu hésitant au début, mais je suis content d'avoir pris. Des températures assez chaudes pour la saison qui se maintiendront sur l'ensemble de la région. Mais ensuite, Grognac le barbare dans la jungle des bébés vampires. Pour la semaine prochaine, les températures devraient aller jusqu'à 11 degrés lundi. Il semble par ailleurs que nos troupes stationnées à l'étranger connaissent également une météo assez inhabituelle. Les nuits sont fraîches sur l'île de Mambajao, ce qui est étonnant pour l'Asie du Sud-Est. Enfin, rien qui puisse perturber le moral d'acier du 5e d'infanterie. Nos Hellcats mécaniques n'ont d'ailleurs pas mal à la retrouver. Je crois qu'il est temps qu'on emmène soit sans révision, non? Encore ce représentant. Et maintenant, une page. Je ne sais pas pourquoi il insiste comme ça. Abordons un sujet qui nous tient à cœur. À nous, à bonjour, société Voltec. Bonjour. Regardez ça. Quel magnifique ciel bleu. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi.
Qu'est-ce qu'il y a de si important? Mais votre avenir tout entier, tout simplement. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce pays court tout droit vers la catastrophe. Excusez mon langage, mais la fin du monde est inévitable. J'en ai peur. Et risque de survenir plus tôt que prévu. Je me dois de vous prévenir. Mais je sais que vous êtes occupé. Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. Abri 111. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne prendra qu'un instant. Nous devons faire quelques vérifications pour nous assurer que vous aurez bien accès à l'abri en cas de destruction atomique mondiale. L'apocalypse? Eh ben, je signe tout de suite. Ça me plaît. Alors, voyons. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non? Ce que je ferais pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas? Vive l'Amérique. J'ai changé la couche de Sean, mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin maman que vous semblez si bien maîtriser. Vas-y, j'arrive dans une seconde pour t'aider. Ça en a fait des nuits blanches. Mais ça en valait la peine. Toujours la même chose. Si je puis me permettre, il faudrait que vous vous occupiez personnellement de Sean. On a besoin de sa mère, c'est normal. Comment un si petit bonhomme peut boire autant? Oh, on trouvera jamais ce chien. Garçon, non, bah, sa maman, n'est-ce pas? J'ai réparé le mobile au-dessus du berceau l'autre jour. Essaye-le, vas-y. C'est bien, mon fiston. Un vrai modèle, comme son père. Enfin, la plupart du temps. Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Ouais, bonne idée. Madame,
Monsieur, je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Cotsworth? Et maintenant, attendez, des éclairs aveuglants, des bruits d'explosion. Nous essayons d'en savoir plus. Ouais. On m'indique que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Des sources sûres nous confirment que... Oui. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Il faut qu'on aille à l'abri. Vite! J'ai Sean avec moi. Allons-y! Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrits, rendez-vous immédiatement. Calme, mon père. Ça va aller. Tous les postulants pour l'abri, venez par ici. Laisse les valises. On n'a pas le temps. Aide-moi à tout faire rentrer. Si vous êtes inscrit, rendez-vous immédiatement à l'abri. Dirigez-vous vers la porte. Les postulants pour l'abri. C'est absurde. C'est moi, Voltaire. Vous ne rentrez pas. Si je rentre, vous ne m'arrêterez pas. J'irai porter plainte! Si vous êtes inscrit, avancez! Sinon, rentrez chez vous! On va mourir ici! On n'est pas pour l'abri! C'est pas vrai! Laissez-nous entrer! On est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte. C'est bon. Allez. Merci. Bonne chance, je monsieur. Dieu nous vienne. Vous deux, suivez-moi! Allez! Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre On côté de la barrière? Fait tout ce qu'on peut. Allez, dépêchez-vous! Par ici! Montez sur la plateforme. Mettez-vous au milieu. Ok, c'est bon, on descend. On y est presque. Sean va bien? Il va bien. Ça va aller. Je t'aime. Non, oh oh. Vite, vite, descendez tout de suite. Accroche-toi. On peut pas aller plus vite. Aidez-moi. On a réussi. On y est. Bien. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111. Un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Montez l'escalier, allez. Je n'arrive pas à le croire. Si on était partis une minute plus tard, n'y pensez on serait plus. Tous... Vous êtes en sécurité. Montez tous l'escalier et franchissez la porte. Homme. Par ici. Voltec est à votre service. Approchez-vous Homme. De la table. Merci on est d'avancer ici. En ordre. Mais par ici. Femme. Le taux est un peu... Bienvenue. On est une combinaison. Femme. Là-bas. Homme avec enfant. Les niveaux sont maintenant, bons. Maintenant, suivez ce qu'on... Là-bas, s'il vous plaît. Avancez jusqu'à okay. La table. Là-bas, prenez une combinaison. Il vous faut Merci. Une combinaison pour accéder au reste de l'abri. Et maintenant ? Suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. Tu vois ? C'est notre oh, nouvelle maison. Oh, vous serez bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. Prenez une combinaison, puis suivez le couloir. On a tout perdu. Notre maison, tout ce qu'on avait. Madame. Mes parents étaient à Washington. Combien de temps est-ce qu'on va rester ici ? On expliquera tout ça lors de l'orientation. Terrible. Mais d'abord, on va commencer par un examen médical. Vous serez bien ici. Ça me va bien, non ? Je coche juste les gens sur la liste au fur et à mesure. On est parés pour l'avenir, pas vrai ? Vous avez une famille adorable. J'espère que vous vous ferez à votre nouvelle maison. «
Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Excusez-moi. Entrez dans la capsule quand vous voulez. Tu veux bien m'aider, mon cœur. Bonjour, fiston. Je vais pas loin. Je serai juste là. La voilà, tu vois. Maman n'est pas loin. C'est bon ? Entrez là-dedans et enfilez votre combinaison. Mon cœur. Vas-y, je prends Sean avec moi. Avant de pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Résident sécurisé. Fonction vitale de l'occupant. Procédure terminée. Dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est celle-ci. Ouvre. Il doit bien y avoir une ouverture. Allez, allez, allez. Oh non. Panne critique de la station. Et je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. Je te le promets. Oh, bon sang. Comment Voltec a pu faire une chose pareille ? Il reste que moi. Ouais. Dysfonctionnement. Il y a quelqu'un. De manuel d'ouverture de la capsule mort. Cryogénique. Ils sont morts. Oh non. Dysfonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryogénique. Pourquoi ils ont fait ça? Oh non. Dysfonctionnement de la commande manuelle d'ouverture de la capsule cryogénique.
Oh, non. Oh, non. Mort. Ils sont morts. Ah. Ils sont tous morts. Fonctionnement de l'ouverture d'urgence de la porte de sortie. Prenez contact avec votre représentant de maintenance. Des cafards géants ? C'est quoi ce bordel ?
s'est passé? Où sont tous les autres? C'est tout ce qu'il reste? Pas mal. Attends-moi, je reviens.
Est-ce qu'il y a des survivants? Ils ont pu sortir? Oh non. Séquence d'ouverture de la porte de l'abri initialisée. Veuillez reculer.
à la surface. Et merci d'avoir choisi Voltec.